Ce n'est trop pour Jessica Thivenin. La candidate de télé-réalité a décidé de partager son ras-le-bol sur les réseaux sociaux ce samedi 12 août. Après de nombreux excès alimentaires, elle décide de se reprendre en main. Les vacances paradisiaques de Jessica Thivenin et son époux Thibaut Garcia ont rapidement tourné au cauchemar. En effet, le couple d'influenceurs va devoir être rapatrié depuis Hawaï en raison de violents incendies présents sur l'archipel américain. Des vacances de rêve, certes, mais qui ont eu un impact sur le corps de Jessica Thivenin. Cette dernière a tenu à pousser un coup de gueule sur son compte Instagram, ce samedi 12 août. Après un été à manger n'importe quoi, vraiment que de la merde non-stop, je ne sais même pas si j'ai mangé des légumes ou des fruits. C'était burger, pizza, saucisson et je ne passe. Je n'ai absolument pas fait attention et je me suis vraiment laissé kiffer, encore plus ici à Hawaï. S'est-elle confiée en partageant une photo d'elle de dos en maillot de bain, dévoilant un peu de cellulite sur ses fesses. Sauf que, j'ai eu un électrochoc. Certes, je ne suis pas quelqu'un qui a tendance à grossir mais par contre, tout le gras que je peux manger se fixe sur mes fesses. Là ça y est, si est-il trop, je ne peux plus, s'est agacée l'ancienne candidate des Marseillais. Il n'y a pas de règle, on peut faire 100 kilos et se sentir bien, je me déteste, je me sens mal. Donc, si est-il fini, à partir d'aujourd'hui, si est-il alimentation saine. Je refais mes crèmes, j'arrête les boissons sucrées, stop, a ajouté Jessica Thivenin. Mais la jeune maman de Mélone et Livan a tenu à préciser qu'il ne s'agissait que de son ressenti personnel et qu'elle ne critiquait pas le corps des autres. Il n'y a pas de règle, on peut faire 100 kilos et se sentir bien ou même 30 kilos et se sentir bien aussi. Et on peut se sentir mal à cause de vergetures ou de cellulite ou de cicatrices, bref moi ça me fait être mal, a expliqué l'influenceuse, avant de conclure, pour certains, si est-il rien, pour d'autres, si est-il beaucoup. Je me sens pas bien donc aujourd'hui, j'ai décidé de me reprendre en main. Et vivement que je rentre à Dubaï reprendre le yoga vélo, ma vie saine, ma routine que j'aime.